Consistance, c'est lever aujourd'hui à une attitude. Demain, si Dieu veut, à travers vents et marées, ou persister dans la même direction. Ça. Et tout entrepreneur qui réussit, il y a au moins un facteur ça en commun la caillou. Ce n'est pas des gens qui levent du jour au lendemain, ils réussissent. Et c'est des gens qui travaillent de jour en jour à réussir, à être patient. Ce sont des gens qui grandissent avec des valeurs ou bien viennent épouser des valeurs. Et valeurs, ça y est, ils viennent constituer un bedrock, un fondement sûr. C'est comme si ce sont des gens qui ont un phare à la caillou qui n'a jamais éteint. Et faire ça a constitué valeur. Et nous-mêmes qui là, nous devons commencer à réfléchir. Valeur ça qui est capable de rendre moins consistant, qui est capable de faire pas perdre le route côté de l'IA. Qui sont copains en fait, qui sont quatre, qui sont même capables de développer valeur ça. Et le plus souvent, valeur ça qui permet de faire succès, ce n'est pas valeur que seulement on apprend la caillou. De la caillou, ils apprennent pour gentil, pour nice, pour respecter la société, mais ils pas apprennent nous pour développer la force, pour braver les dangers, pour apprendre le risque. Valeur ça, moi, entrepreneur ça, apprendre à développer. Et c'est à travers l'apprentissage ça, ils ont une consistance. C'est une valeur qu'on a acquérir en fait. Ou vient développer, ou vient master, ou vient apprendre, non seulement pour s'allier, non seulement intégrer nos décisions, mais on vient apprendre à faire confiance. Parce que quand tu des fois échoué, ou à une interview, ou à un CV discoté, mais des fois à un CVA, ou pas qu'à rentrer dans la réception pour un CVA, c'est l'agent de sécurité à dehors, un CVA, ou dit mon cher, bon, mille gouttes de lager ça pour moi dans la réception, pas secrétaire à vous. Après, on fait des matchs ça 10-15 fois, qui sac pour faire un bail vague? C'est la consistance, c'est la foi que même si 1000 dans ce CV ça au bail là pas marché, mais on grain cap marché quand même. Et consistance ça, cette foi que vous venez développer, c'est le résultat d'un paquet de valeurs que vous intégrez dans la vie, dans le quotidien, dans l'activité, et c'est au même cap fort aussi. Voilà pour la consistance. Deuxième valeur que moi tout entrepreneur a gagné aussi, c'est la persistance. Persistance, vents et marées, quel que soit, ont armé de moustiques. Moustique Joël, yo. Si je développe tout le corps, même je vais marier tête, il t'a vu un moustique KO. C'est la persistance. La persistance veut dire que ou à continuer quelque soit quantité fort échoué. Il y a plein de monde qui confond la persistance avec la naïveté. La naïveté, si vous êtes naïf et persistant, ou échoué plus vite. C'est continuer à persister dans les mauvaises idées. C'est comme une entreprise qui n'a pas marché, qui n'a pas une chance de marcher, et persister dans l'entreprise, ça. Consistance, bon route pour aller, mais persistance là, il faut chercher gaz pour mettre dans la machine ou pour aller plus vite. Il fait que même si vous avez gaz, je connais là, vous allez chercher gaz dans l'autre côté. Vous allez chercher gaz dans l'autre côté. Jusqu'à ce qu'on joue gaz pour mettre dans la machine pour avancer vers le chemin que vous allez. Alors, l'homme dit gaz. Ce n'est pas de vrai gaz là, m'a parlé de énergie là, m'a parlé de ressources là, m'a parlé de tout ingrédient ou besoin pour renforcer tête ou comme personne à booster votre confiance de soi. Persistance baoul et persistance ça, c'est le résultat de tout apprentissage de techniques, de outils, de formules de réussite que vous apprenez dans la gestion, dans la vie professionnelle. Les gens qui persistent, ils ont le courage tout. C'est le courage qui détermine la persistance. Vous avez le courage parce que vous investissez dans un pays côté que, qui a un taux de réussite dans l'entreprise qui est plus haut à travers le monde.
C'est le courage qui le fait. Et c'est à travers le courage ça qu'on continue à rebousser la route. Non le plus que les attributs personnels, yo, okay, qui déterminent la mentalité, qui déterminent la toile de fond, les vecteurs identitaires de l'entrepreneur réussi, c'est comment on va influer facteur, influencer facteurs externes. Parce que il est important même pour maîtriser les facteurs internes, pour maîtriser les outils, les formules, la connaissance de gestion que vous pouvez faire avec eux. Mais les facteurs externes, vous avez besoin de gérer le business ou jour qu'à gérer. Mais si la crise politique l'a pété, et l'entrepreneur a mentalité de succès, lui-même, il tient compte de qui influence l'entrepreneur a développé à long terme pour influencer les facteurs externes. Influence ça a un rapport avec les décisions politiques. C'est ça l'Haïti où on a un taux d'échec contre la vie politique là, et aussi où on a autant de citoyens qui décident par mêler dans la politique. C'est pas que tout citoyen, tout entrepreneur doit à l'élection, mais tout citoyen t'a supposé supporter un candidat honnête. Parce que grand pile monde qui pas présenté tête dans l'élection, mon honnête, c'est parce que on pensait tout le monde honnête a chit à la caillou. Le caractéristique de bonheur ça a gagné, yo avide du savoir. Le bon genre de Haïti, je colle le téléphone chaque jour à chat ou à WhatsApp, ou à regarder des vidéos et blagues, et à parler de si, ou à parler de faire succès. Mon cher, moi, c'est un bêtise, ou passer tantôt, excusez-moi l'expression. Parce qu'il faut apprendre comment réussir. Ou pas faire ta veille. Ou à pleurer tantôt, si vous pensez ou faire avec tout trait de succès. Le monde est compétitif. Le monde change. C'est la lecture qui va vous permettre de vous innover, de vous adapter au changement du monde, au très entrepreneurial, qui va permettre d'adapter au goût et préférence consommateur. Même comprendre, par exemple, que les jeunes qui étaient passés dans l'école primaire, qui n'avaient pas de base, secondaire, qui n'avaient pas de base, ils copient, ils viennent en philo. J'aime ça, les labs, ils ne pas vraiment comprendre le livre-là. C'est vrai, c'est la réalité aujourd'hui. Imaginons que si mon petit que vous avez, vous levez, vous avez parlé français, vous avez mené une conférence. Avec un petit monde qui levait dans la province, par un seul jardin, il voulait changer de bête. Qui est-ce là au Cabli dans la ville? Petite Paula ou petite Paroua? C'est notre réalité aujourd'hui. Et cette transmission de savoir commence d'abord par l'acquisition du savoir. Et l'acquisition du savoir, il commence par la consommation du savoir. Si vous ne consommez pas le savoir, vous n'avez pas maîtrisé le savoir. Consommation du savoir commence d'abord dans la lecture. Donc, aujourd'hui, mon monde qui réussit de manière substantielle, de manière soutenable, il fait toute ville de carrière réussite qui va aimer lecture. S'il va avoir vide de lecture, les cherchons l'autre côté quand même l'y apprendre. Parce que des monde qui a vide de savoir, le regard d'un film, ils apprennent plus dans le film que l'autre monde qui parle vite du savoir. Il faut développer cette qualité. C'est une mentalité entrepreneur de réussite. Non seulement un entrepreneur qui réussira vite du savoir, deuxièmement, ce sont des gens confiants. Ils ont développé la confiance de soi. Qu'est-ce que la confiance de soi? C'est différent de l'arrogance. La confiance de soi exprime le savoir acquis. La confiance vient de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi vient de la maîtrise de métier. La confiance ne se développe pas en se disant confiant. La confiance se développe en maîtrisant le savoir qui permet d'exécuter avec succès
des tâches de manière répétée. Et dernièrement, caractéristique mentalité entrepreneur qui réussit, il pratique le succès. Le succès n'est jamais définitif. Succès a son phase, son étape. C'est ça qu'il faut en Microsoft. Son compagnie de 1 milliards de dollars, le top de l'industrie. Apple, 1 milliards de dollars qu'on y a là. Qui taille l'économie, presque un tiers de l'économie du Mexique. Ou entreprise, oui. Nous connaissons une entreprise aux États-Unis qui presque détaille de l'économie de l'Inde, au pays de 1,3 milliard de personnes, 16 portfolios y a géré. Il a acheté Haïti combien de fois? Je parle de l'Inde, au pays qui a 1,3 milliard de personnes, Haïti seulement gagne 12 millions. Et bien, vous l'écrivez, vous avez dit, ah, je fais succès, je suis là. Et bien, vous l'écrivez, vous avez dit, ah, je finis qu'on fait succès. Ok, nous connaissons déjà Mchita Chitam là et devenir complaisant. La complaisance amène à la paresse, amène à la médiocrité, amène à la crasse, à la pauvreté. Le succès est une phase, est un moment où on fait succès parce qu'on continue à faire succès. Alors on ne va pas parler là de deux mondes qui ont volé, monde qui n'a un. Et pas de ça m'a parlé. On se parlait là de monde qui maîtrisait les techniques, qui investit légalement. C'est de ça qu'on parle. Le succès n'est jamais définitif. C'est une phase, c'est un moment. C'est une pierre qui vous permet d'accomplir plus de succès. Vous devez mourir au succès. Ça va me dire que je vais me retraiter, non? Ou après retraiter dans le succès? Oui, de le succès. C'est ça que fait le président américain. Là, au fil président, il va chiter abdomi. Il a écrit des livres. Livres, il a écrit, il va apprendre comment pour écrire des livres à succès sur notre marché lié. Il a fait des librairies, il a fait des conférences. Il continue de faire des succès. Ça vous permet de vous différencier du commun, de développer une mentalité qui va définir la génération à venir. Voilà votre patrimoine. Voilà le patrimoine d'une mentalité de succès. Est-ce que ça pour nous, Haïtiens? Est-ce que vous blancs seulement là? Est-ce que c'est blancs seulement qui a fait succès? Et ça me se dit, là, qui fait succès. Est-ce que nous-mêmes, nous te souhaitons maîtriser aspect ça? Je peux vous dire, mettez un grain dans l'esprit, nous. Mettez un grain qui est capable de germer. Et vous nous connaissez comment, en fait, nous sommes capables de développer la mentalité, okay, d'un entrepreneur exemplaire. Voilà, merci.